le petit peu dans notre point, toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, là, je vous parle, on est le 10 novembre, il est vers 18h environ. Et du coup, voilà, j'ai, comment dire, acquéri, si on peut dire comme ça, grâce à ma meilleure amie, du coup, qui m'a vraiment rendu service. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a une nouvelle petite pioche qui est entre guillemets sortie, oui et non, parce que à la base, ce n'est pas une pioche qui sera ni dans la boutique de Fortnite, ni dans la boutique d'objets non plus. Qui sera pas dans un pack non plus spécial, etc. C'est vraiment une petite pioche qui ont des blocs, on va dire ça comme ça, qu'on a gratuitement si bien sûr vous faites 20€ d'achat à Micromania via Fortnite. Genre, si vous achetez un truc qui a rapport à Fortnite, vous avez la petite pioche, un petit code, etc. sur une petite carte que j'ai mis sur mon Instagram. Si vous voulez aller voir, allez checker ma dernière petite photo. Du coup, j'ai acheté le jeu, du coup, enfin, le jeu, c'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt le pack. Obscur sur Xbox, car j'ai une Xbox que j'utilise pas beaucoup actuellement, car je suis beaucoup sur PC actuellement, mais voilà. Et du coup, je me suis acheté ça parce que vu que je le voulais à la base, bah ça tombait bien, j'ai envie de vous dire. Du coup, j'ai eu le petit code avec parce qu'on fait, disons, plus de 20€ d'achat. Moi, le pack il coûtait 29,99€, donc forcément, bah j'avais plus de 20€, donc je pouvais avoir le code. Donc en gros, il faut 20€ d'achat de Fortnite, je précise. À Micromania en France. Par contre en Belgique, je sais pas si vous avez la Micromania, mais je pense que vous avez sûrement un magasin de jeux par chez vous. Donc je pense que c'est la même chose. Et en Amérique, ils ont aussi leur magasin à eux, etc. Bref, normalement j'ai rentré le petit code. Logiquement, je l'ai actuellement tout de suite. Du coup, on va voir si on a l'animation, j'espère, parce qu'en vrai, ah voilà. La petite pioche, les potes. La pioche. Et franchement, cette petite pioche, ça fait une semaine que j'essaie de trouver un truc pour l'avoir. J'ai fait je sais pas combien de concours. J'ai jamais fait autant de concours pour avoir une pioche comme celle-là. Elle est magnifique, franchement. En vrai, moi, je trouve qu'elle est belle. Après, c'est peut-être que vous aimerez peut-être pas, vous, la pioche. Mais moi, je trouve, parce que moi, j'ai pas la pioche. Vous savez, il a une pioche qui est sortie à Noël, là. Vous voyez, la pioche, la toute première pioche à Noël qui ressemble un petit peu à un sucre bonbon. Moi, je l'ai pas acheté, je l'ai pas. Et celle-là, elle ressemble un peu à une sorte de pioche de Noël, vous voyez. Mais avec un côté un peu maléfique. Il y a un peu Halloween, donc c'est mélangé de Noël et Halloween à la fois. Et c'est pour ça que je l'aime bien, je trouve. Le bonbon festif, franchement, voilà, avec un goût délicieux de menthe. Et moi, que j'aime beaucoup la menthe en plus, en temps normal, fait partie de l'ensemble Bleu Peur. Alors, je sais pas c'est quoi comme ensemble Bleu Peur. Donc, on va s'équiper, forcément. Ah ouais, le bruit, elle est bien, écoutez bien les potes. Le petit bruit à la fin. J'ai hâte de... Franchement, les potes, j'ai hâte de l'essayer. J'ai très hâte de l'essayer. Ah ouais, mais cette pioche, elle est belle. Ah non, mais rien à dire, les potes. Dites-moi, les potes, ce que vous en pensez en commentaire. Si vous la trouvez belle, cette pioche, ou éclatée au sol. Ou si vous l'avez peut-être eu, vous aussi. Ou si vous la voulez pas, enfin, je sais pas. Personnellement, si j'avais les moyens financiers, les potes, si j'avais, par exemple, les moyens... si j'avais autant d'abonnés que certains, par exemple, genre les gros youtubeurs, vous voyez, ils ont 500 000 abonnés, 1 million. Eux, par exemple, ils ont les moyens financiers. Parce qu'ils ont les abonnés un peu c'est grâce à eux hein, qui sont payés. Sinon, ils n'ont pas. Donc, moi, je n'ai malheureusement pas les possibilités parce que je suis pas payé par YouTube ni rien. Donc, vraiment, les vidéos que je fais, c'est par plaisir. Et c'est, je suis pas payé pour ce que je fais. Pas du tout. Donc, je peux pas vous offrir comme certains youtubeurs font. Mais si un jour j'atteins un certain un million d'abonnés ou 500 000 abonnés ou ce genre de choses, ouais, je pourrais faire des petits concours comme ça. Et vous faire gagner des codes ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore là. Mais en vrai dire, moi, je suis assez content de l'avoir. Enfin, cette petite pioche. En plus, j'attendais vraiment, vraiment beaucoup. Donc, j'ai changé de skin, par contre, parce que là, j'ai mis celui-là parce que j'avais joué avec des potes hier. On faisait une petite nounours. Du coup, avec quel skin que je pourrais mettre? Je sais pas trop, en vrai. Ça peut le faire avec celui-là, non? Non, peut-être pas. Je sais pas. Il y a du vert dessus. Hein. Oh, attendez, les potes, je sais sur lequel je vais mettre. Juste que je retourne dans mon casier. Elle peut le faire. Elle peut le faire en vrai. Regardez. Je voudrais pas qu'elle peut le faire. Voilà, vas-y, on va mettre elle. Elle a son cadeau. On va mettre. On va mettre ça parce qu'il y a du vert dessus. Voilà, le petit ensemble. Franchement, elle pioche et tout. En plus, c'est, voilà, c'est quoi, épique tout ça là. Oh, vraiment, avec le meuf, ça fait bien. Ça fait stylé. Ah ouais, mais ouais. Franchement, en vrai, attendez, je vais mettre la petite. Je sais pas si vous l'avez tous, la petite danse. Vous avez la danse où on met dans le lobby là. Pour ceux qui ont eu passe de combat, la saison actuelle qui avait ça.
C'était la saison 7, il y avait une danse dans le pass de combat et tout. On peut faire l'animation avec la pioche, c'est arrivé au palier 100. J'essaie de la retrouver là pour voir comment ça fait dans le lobby. Mais il y a tellement de danse qu'il faut que je me retrouve là-dedans. Ah là voilà. Attention. Ah ouais. Non mais elle est belle. En plus ça va vachement bien avec ce skin là. Du coup c'est parfait les petits potes. Dites-moi ce que vous en pensez les potes en commentaire bien entendu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et partager aussi la vidéo. Pourquoi pas. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait les petits potes. N'oubliez pas non plus dans le code créateur de la boutique de Fortnite. J'ai la gameuse en majuscule ou en minuscule. Et vous acceptez bien entendu le petit code créateur, quel plaisir. Personnellement j'aurais bien voulu acheter ce petit skin là. Mais voilà, je n'ai pas assez de bugs malheureusement. J'espère vraiment que la prochaine fois il ressort. Si il ressort dans un mois, j'achète direct les potes. Parce que dans un mois je pourrais peut-être l'acheter je pense. J'espère. En vrai je trouve qu'il est beau ce skin. Je sais pas si vous l'aimez bien vous, mais moi je l'aime bien. Donc voilà, bref les petits potes, moi je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo les potes. Bon week-end, enfin pour un bon week-end. Parce que quand même assez, on est dimanche soir. Il est plutôt tard à l'heure que je vous parle. Et puis voilà, n'hésitez pas quand même. Si vous avez des questions sur Fortnite ou d'autres jeux que je poste sur ma chaîne, si vous avez des galères à certains jeux et tout, ou certaines missions, demandez-moi et je serai vous conseiller le mieux possible. Voilà. Allez, à plus tard les potes. Ciao, ciao.